Bonsoir YouTube, comment allez-vous? Allez, on va continuer pour la septième partie de ce jeu si incroyable. Paris 3. Allez, 4h38 de jeu déjà. On espère vite le finir pour aborder le 4. Pauvre jeu. Voilà. Donc j'avais délivré Nikonas et après j'ai tourné en rond parce que je pouvais pas sortir parce que genre, je me bloque. Voilà ce qu'il me dit. Je n'étais pas venu jusqu'ici pour rien. Il fallait que je découvre le secret qui se cachait ici. Voilà. Mon problème c'est que je n'ai pas de secret. Enfin, j'arrive pas à trouver le secret. Je sais pas où faut aller. On a ça en plus dans l'inventaire, je sais pas quoi en faire. Je n'avais aucune raison de faire ça. Nico. Oui, Georges. Voilà, c'est rien, comme d'habitude. Le chat, t'es gentil, tu passes à côté des fils. Là, allez. Viens là. Là. Voilà, tu restes là. Regarde, tu me fais dérégler mon fond vert avec tes conneries là. Tu restes là. Va m'acheter une lampe, s'il te plaît. Allez là, va m'acheter une lampe. Tu vas chiquer. Sur la scène, oui, il y a lui, il a le gros porc là. Flap n'avait rien qui puisse m'intéresser. J'aurais eu l'air d'un clown dans ce costume de mafieux. Un clown, débité. Ah mais c'est sur la scène. Pas déplacer un truc. Mais il y a un truc en dessous. Il était hors de question que je touche encore à ces spots brûlants. J'avais mis une belle pagaille, mais j'avais la flemme de nettoyer. On peut pas aller en dessous, là? Bonjour, je m'appelle Georges. Non, mais ça doit être sur la scène, mais je ne sais pas où. Dégage. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Ah, ça se trouve, il y a un truc à faire en haut. Il faut parler à Nico en bas. Ou pas. Au fond vert, tu déconnes pas? Un peu. Moi je sais qu'en haut il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai fait le tour de la scène. Ah bah l'autre, il est juste assommé, ça fait au moins une heure qu'il est par terre, quoi. Il avait eu son compte. Ouais, mais... Putain, c'est chelou. On va essayer de voir autre part, hein, parce que j'ai... Il y a un sous-sol sur le côté.
Ah non, me dis pas que c'est là. Non. Tu veux aller sur le Discord? On n'est pas du tout sur le même jeu, Jeff. Putain! Ce con, j'ai fait... Tout à l'heure, j'ai tourné au moins 10 minutes ici, et voilà. Et voilà, voilà. Yeah. Alors, Ah, je me rappelle d'ici. Ces contrepoids commandaient l'ouverture de la trappe. Si seulement j'avais continué la muscu... J'aurais pu les soulever sans problème. Ouais, exactement ça. Je plongeais la main dans la boîte pour en extirper un bâtonnet. Je plongeais la main dans son cul, dans la boîte. Bestheimer numéro 7. Bestheimer. Pourquoi pas? Bestheimer, yeah. C'est un fuck. Attends, mais c'est un labyrinthe. Est-ce qu'on autorise quelqu'un à venir en vocal avec moi? Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange si on a un invité surprise YouTube? Qu'est-ce qu'il veut? Attends, je vais essayer d'y aller. Il va me faire casser mon ordinateur, monsieur Jeff. Il est où? Il est là. Bonsoir. Allô. Ah, ah, t'entends. Ah, bonsoir. Attends, parce que du coup, je t'entends sur la télé. Enfin, sur l'écran. Ah. Je règle ça tout de suite, monsieur Kazuki. Vous êtes sur YouTube, hein, monsieur, n'oubliez pas. Et sur YouPorn? Non, ça, non, c'est entre nous, ça. Ah, bah, très bien. Cette scène de rue était sombre, mais très colorée. Micro et... Décorateur. Ou loin. J'aurais dû y penser plus tôt. Oui, bonjour. À deux. À deux. Attends, je baisse le son. Y'a un peu un truc. J'aime les chevaliers de Baphomet 3. Mais je l'entends plus, c'est bon. Attends, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Y'a du vent chez toi? Tu m'entends, toi? Ouais, moi je t'entends très bien, oui. Attends, je remets défaut et défaut. Défaut, défaut. Tu m'entends? Oui. D'accord. Tu m'entendais il y a deux minutes avant ou pas? Oui. Ah, donc ça, ça marchait. Là, tu m'entends? C'était une tête à perruque. Je t'entends toujours. Pourquoi, moi, je ne t'entends pas quand je choisis le casque? Peut-être redémarrer Discord, on entend le chat. J'essayais de l'ouvrir, mais donc là, parle. Le coffre était fermé. Bonjour. Tout bien réfléchi, bon, ça n'était pas très étonnant. Pas... Moi, ça me le dérange plancher pas, vermoulu ployait sous son poids. Vas-y, on aurait dit inscrit. J'aime les chevaliers de Baphomet 3. Je n'avais pas le temps de le lire. J'espère juste que ça va pas faire chier sur mon stream. Les tiroirs étaient vides. Oh, moi, il y a Fungus. Il n'avait pas dû être utilisé depuis des années. Il y a Fungus et Gigabit en plus. Et tu m'entends quand les je parle comme ça, c'est bon? Ouais. Ouais, parce que j'ai posé du coup le casque sur le bureau. Donc c'est bon. Bon bah, ça va gérer comme ça. Ah putain, voilà, ça m'a fait tout gris là. Pourquoi je suis tout gris maintenant? Ah, il y a Fungus qui te dit bonsoir Jeff sur le chat. Ah mais t'es sur le chat aussi, je te vois. Ouais, ouais, attends, je vais mettre ton chat en parallèle, superposé. Le coffre était fermé. Le coffre est fermé, donc il me faut la clé. La clé. Oh oui. Mais on t'entend quand tu parles ou pas? Enfin là, je parle pas, donc forcément. Non, mais
Ça va, on t'entend via le micro, mais c'est pas grave. Ça passe. Si ça fait chier, je redémarrerai le stream. Oh. Oula. Il y a une porte là? La vieille porte en bois était assortie au reste du bâtiment. Le Twitch intégré, avec le chat intégré. Tu devrais le télécharger. C'est quoi? Ah ben c'est le OBS avec Streamlabs et tout intégré en fait. Oh! La merde. C'est compliqué ce soir hein, de jouer chat. Oui? Ah, j'ai trouvé le sous-sol. Putain, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est dans le jeu, j'ai eu peur. N'approchez pas! Je ne plaisante pas! Mais il est fou ce type! N'avancez pas! Restez où vous êtes! C'est quoi? Il doit vraiment avoir très peur de quelqu'un. Non, mais attends, c'est de quoi ces cris? Ou de quelque chose. Et tu sais quoi? Lui, il est en sécurité là-dedans. Et la chose en question, elle est ici. Quelque part. Tu t'amuses? Ah non, mais il y a un mec dans le jeu, il poussait de ses cris, laisse tomber. Peut-être que cela méritait un examen plus poussé. Ah ouais, attends. J'ai bien réfléchi, j'ai décidé d'y renoncer. J'entendais marmonner à travers la porte. Quelqu'un faisait les 100 pas en parlant tout seul. Ah ouais, du rose, c'est plus fort. Il avait barricadé la porte et il ne laisserait entrer personne. Le chat. Alors, les pieds. Aucun son ne me parvenait de derrière cette porte. C'est beau. Cette porte ne s'ouvrirait pas. Les boucles d'oreilles. Alors, c'est quoi? C'est vitalité, ténacité. Ok, donc je suis arrivé là. Il y a un mec qui est en train de péter un plomb dans une pièce. Mais il y a des pièces de partout. Et cet endroit me dit quelque chose. Je sens que je vais crever. Oh là. Oh. Cette cale devait soutenir le coffre à l'étage supérieur. Oh! Cette cale était inébranlable. Le sol offrait trop d'adhérence. Bah faut la branler, c'est inébranlable. C'est dégueulasse ce jeu là. C'était les fusibles du théâtre. Ils avaient l'air très vieux et dangereux. Quelques fusibles avaient sauté. Il n'en restait qu'un seul en état de marche. Cette échelle était vétuste et vermoulue. Un bon moyen de se briser les os. Je ne voulais pas mourir jeune. Oui. Oui. Tout à fait. Il y a des portes de partout. Pourquoi j'ai pas de chaussures? Alors là, certainement pas. Ah ok, j'ai pas de chaussures parce que... Ok. Parce que mon pantalon comporte déjà des chaussures. Le silence le plus total. Ouais, t'as un ensemble. Soit c'était un signe. Soit il n'y avait personne derrière la porte. On dirait le Père Noël ou quoi, mon personnage. Soit la porte était bloquée, soit elle était fermée. Jaune, le reste du corps en gris. J'aime. Un Power Ranger. Alors, on va enregistrer la tenue quand même. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Oui. Nico. Et oui, c'est parti. Ah! Regarde ça, Nico. Ah. Je l'ai trouvé sous la scène. Du maquillage de théâtre. Du maquillage bien de théâtre. Bien joué, Georges. Tu préfères que je te maquille en tigre ou en petit nounours? C'est, là, c'est pas mal. Merci, ce sera Alors, pour une autre fois. On va configurer la vidéo et on va désactiver. Tu as besoin de maquillage, Nico? Non, merci, Georges. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu peux le garder. Ce coffre a été utilisé récemment. Il est fermé. En tout cas. Il contient sûrement quelque chose assez important pour avoir été enfermé à double tour. Exactement. C'est pas mal. J'aurais peut-être réussi. Avant. Ouais, c'est bizarre.
Ça, c'est la deuxième porte. Soit la porte était bloquée, soit elle était fermée. Bon, allez, hop, c'est parti. Bonjour. La vigile de Pierre. Seigneur, Georges, regarde ça. La grosse merde. Non, merci. Sans façon. Son torse est complètement brûlé. J'ai déjà vu des cadavres, mais ce type mérite un Oscar. J'ai bien le feu du combat, j'ai des petits bonbons. Ah, je crois qu'il avait mangé du poulet à midi. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, Georges? Tu n'as jamais mangé un couscous trop épicé? C'est dégueulasse. Georges. Je ne sais pas, Nico. Je suis avocat, pas médecin légiste. Ah ouais, il y a un putain de cadavre en face de moi. Bah, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Alors que je fouillais le cadavre, j'aurais pu jurer qu'il me fixait de ses yeux morts. Mais on m'avait pris de vitesse. Je ne trouvais qu'un étui à carte vide. Un étui à carte? Zéro drop. Ça, c'est beau de payer pour une live en capture. Un étui à carte. Il est où son étui à carte? Avec un trombone, un chewing-gum et du papier alu, j'aurais certainement réussi à court-circuiter la serrure. Ou bien je pouvais trouver la carte permettant d'ouvrir la porte. Ah, ça tac. Ça va faire trois fois la vigile de Pierre avec mon level en sucre. Oh, ça passe. Bah, je suis 38 et il est pas 38 avec mon 41, voilà, que je peux pas faire beaucoup mieux, j'ai hâte d'acheter ce que je pouvais pour tenir jusqu'au niveau 50. Nico, non mais... Oui, Georges. On aurait dit un script en français. Le coffre était fermé. Ok, mais il fait des AOE, le... Ça se trouve, on a gagné hein, sur le concours de Montigny. Là. Le concours de Montigny. Ah oui, peut-être. Il faut aller à Montigny. Ouais, ça va, t'es pas loin, toi. Non. Le technicien qui J'avais déjà un bâtonnet de maquillage. Ça va, c'est à côté. Cette scène de rue était sombre, ouais, mais très colorée. J'avais des amis qui habitaient là-bas, et maintenant ils habitent à mon cul. Non, c'est comment ? Bah, pareil, hein, Sartrouville. Bah, Sartrouville, ouais, c'est parce qu'il y avait trou, alors j'ai retenu le cul. Georges a dit qu'il n'arrivait pas à enlever la cale car le sol n'était pas assez glissant. Ah, il faut du lubrifiant, quoi. J'ai quoi sur moi? J'ai pas d'huile sur moi. Si tu veux faire avec de l'huile, mettre dans le cul aussi. Quand même. Non, pas dans le cul, mais un truc pour faut que ça glisse quoi. La vieille porte en bois était assortie au reste du bâtiment. Je sais que tu aimes. La tablette a plus de batterie. Oh merde. Tu veux le chargeur? Ah bah non, on peut pas charger dans la salle de bain. Tu mets le chat dans la tablette. Non, c'est pour Fungus. Ah, pour qu'elle regarde... Bah oui.
Le life. Elle est à côté de toi, elle a pas besoin de regarder le life. Ah non, elle est au bain. Au bar. Au bain, au bar. Ah. Bah, on sait jamais, hein, elle a le droit d'aller au bar. Le maquillage était trop vieux et trop dur pour passer dans l'interstice. Si seulement j'avais un lubrifiant liquide. Ah, tu sais ce qu'il me dit, Georges? Il me dit qu'il veut un lubrifiant liquide. Ah bah, il a le droit dans le cul. Mais non. Où je pourrais trouver un lubrifiant liquide? J'ai un gobelet. Nico. Oui, Georges. Non. Ce corps était atrocement mutilé. Faut le faire brûler avec le maquillage, je pense. Sur le corps. Ça ne marcherait pas. Ah ouais, pas sur le corps. Peut-être qu'il faut pisser sur le maquillage pour qu'il coule. Ah non, ça marche pas. Ah, y a pas un truc. Ça marcherait pas. Il avait barricadé la porte et il ne laisserait entrer personne. Ça, c'est mort. Et là, je peux pas. Donc. Ça, c'est relou, ça. J'attendais que le heal, tu vois, il récupère un peu des points de vie. Parce que j'avais fait un pack et du coup, il avait dû soigner un peu, quoi. Et j'attendais et il n'a pas voulu attendre, notre con. Et... Ça brûle. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Il était évident que c'était brûlant. Ça ne fondait pas dans la main. Il me fallait une source de chaleur plus puissante. Oh. Putain, j'ai trouvé ça où? Téléachat. Ouais, je sais pas. Même si c'est MacGyver, c'est bon. MacGyver. Putain, là c'est pas puissant. Oh putain. Si le chat veut faire ses griffes, le chat va voler. Ah non, mais Gigabit il fait pas ça sur le fond vert. Oh mais normalement j'espère que les autres lui... C'est Elon, ça a pas l'air de l'intéresser là. C'est jamais hein.
J'adore cette musique. Ça veut dire que j'ai trouvé un truc. Je suis pas bourré, hein, c'est juste le gameplay, il est assez dégueulasse et j'ai du mal à faire avancer les persos, quoi. Oh, tu peux le dire, hein, si t'as vu. Ah non, c'est vrai en plus. Ah non, c'est vrai, on est sur YouTube, tu vois pas. Quoi. L'éclairage non. Était assez chaud pour faire fondre le maquillage. Tu stream direct sur YouTube aussi. L'odeur de graisse. Non, je suis un local record. Ah mais oui, au moins, d'accord. Ça avait marché. Je vais pas laisser l'intro tout le bordel sur YouTube. C'est pour ça que je suis juste un local record. Alors du coup, le maquillage est fondu. Je vais pouvoir retourner en bas. Incroyable. On avance. Magnifique. Cette porte ne s'ouvrirait pas. Je crois que j'ai fait peur aux îles. Mais à part ça, tout va bien. Elle était peut-être fermée de l'intérieur. Il n'y a plus de batterie nulle part. Il est 21h08. Mais tu veux que je t'amène un truc pour charger ? La batterie externe en plus, elle est déchargée. Putain. Ouais, il y a peut-être beaucoup là. J'ai peut-être un peu abusé. Ah, peut-être pas. Pas de fil assez long. Attends, bougez pas YouTube, je reviens. Bonsoir. Voilà. Bon, ça n'a pas marché. Alors, on va retourner dans la salle. J'espérais que le maquillage fondu serait suffisant comme le griffon. Oui, gros tout, j'ai voulu faire des ronds, hein, moi, pour pas subir de dégâts. C'est logique. Même si la cale était graissée, je n'y arrivais pas tout seul. Eh ben, faut demander de l'aide à Nico. Oh là là, Nikonas. Nico. Oui, Georges. Oh, eh, Nico, bouge ton cul, connasse. Pardon. Alors, tu fais ça. Hop. Dis, Nico, tu peux me donner un coup de main ? Tu peux me donner un Bien coup sûr, de main ? Bien sûr, Georges. Que puis-je faire pour toi ? M'aider à enlever cette cale. C'est risqué, Georges. Fais-moi confiance, ok ? D'accord, d'accord. T'as un genre de cinématique et tout, quoi.
Putain, c'est grand. Oh, le bordel qu'ils ont foutu. C'est comme ça qu'on ouvre un coffre. La manière forte. Tu as failli m'ouvrir le crâne, oui? Oh, une toute petite erreur de calcul. Tu me connais, je suis un peu tête en l'air. Ah, c'est tout toi, ça. Salut, Zou. Adieu, Zoutek. Petite Cal. Et bienvenue, Zoutek. Bonsoir. Le coffre contenait deux objets. Une carte magnétique et une sorte d'ancien artefact. L'artefact était sculpté dans la pierre et orné d'étranges cristaux. Nico, regarde un peu. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, mais Suzaro a l'air de beaucoup y tenir. Putain, c'est quoi ce truc? Le coffre était vide. Cette carte ouvrait une serrure électronique. Le son du jeu est trop fort. Je break the set. Les cristaux bleus étaient c'est incrustés dans l'étrange artefact. J'ai mis un peu moins fort, ça devrait être mieux. J'avais le casque en fait, donc c'est pour ça que j'avais mis le son du jeu un peu fort tout à l'heure, mais j'ai enlevé le casque parce que Discord ne veut pas passer le son dans le casque. Et que j'ai pas envie de galérer à chipoter pour refaire le setup son. Enfin, j'avais pas envie de relancer. J'ai eu la. Ouais, c'est chiant Discord. Bah, je sais pas pourquoi, il me mettait pas le son dans le casque alors bon. Parce que... Sans la bonne carte, il n'y avait aucun moyen d'ouvrir cette porte. Hey Nico, un ascenseur. J'ai level up. Ça boit. C'est qui level up? Fingus. Ben non, mais je suis con, je veux pas. On a le choix entre descendre. Tu m'as manqué, tu sais. Il faudra que je l'installe, savoir ce que ça donne. Alors nous sommes si c'est bien. Allons-y. Ah ouais, c'est bien. Ouais, mais t'es obligé d'avoir OBS d'ouvert. Ah bah, du coup, si tu veux utiliser cette fonction-là, oui. Ah ouais, c'est. Mais t'as tout. Enfin, du coup, quand tu vas dans le direct, quand tu lances ton live, il te demande. À l'avance, quel jeu. Enfin, t'es pas obligé d'aller sur ton chat, changer le jeu et changer le titre. Il te demande si tu veux changer ton titre et ton jeu. Ah, d'accord. Déjà, ça, c'est super cool. Regarde ça, Nico. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de symbole gravé dans la pierre. Ils ont dû le découvrir en creusant ce tunnel. Ça ressemble à un éclair en zigzag. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Aucune idée. Je regarderai ça. Ouais, c'est Seigneur, Bruno avait raison. Oh Georges, c'est magnifique. Et qui a pu construire ça? J'aimerais surtout savoir à quoi ça sert. Il y a un pont qui mène au centre. Allons voir. Georges, regarde ça. On dirait une colonne d'énergie. L'énergie du dragon. Regarde à l'intérieur. On dirait une sorte de pierre. Est-ce que c'est mieux wow. Elle doit être là depuis des siècles. Mais Nico, tu as vu ça? Oui, Georges, mais j'ai du mal à y croire. Mais les mecs, si vous avancez, ben vous pouvez des élémentaires de classe sur votre gueule. Ouais, vous avez raison. C'est bizarre. Putain, mais ils vont pop les mobs. Georges, comment tu as fait? C'était solide il y a deux secondes. Je ne sais pas. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tablette avec un symbole Oméga gravé dessus. Que peut bien faire une tablette de pierre dans une colonne d'énergie? Et pourquoi elle m'a repoussé? Mystère. Ça doit être une histoire de charisme. Méfie-toi, Georges.
La pierre alphabétique était frappée du symbole Oméga. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que je devrais être 42,5 à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ces types ont l'air d'être terrifiés. 44. Pourquoi elle s'enfuit? L'autre est tout seul. Vite, George. Quelqu'un arrive par le mont de charge. Oh non. Sosa. Et sa copine est avec lui. Nico, on n'aura même pas le temps d'aller jusqu'au mont de charge. Il faut qu'on se cache. Que fait-il ici? Comment a-t-il contourné les gardes? Ces hommes sont faibles. Ils n'ont aucune idée de ce qui est en jeu. Déployons-nous. Continuons à chercher. Putain, c'est chaud. Ah, je peux pas sauvegarder. Faire descendre. Petra, les voilà. Tuez-les. Bon. Vite, George, par ici. C'est plus le temps que j'attends cet instant. Calmons-nous. On peut discuter. Trop tard. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Compris, là. Ces types ont l'air d'être terrifiés. Je suis mort. Pourquoi elle s'enfuit? L'autre est tout seul. C'est pas un point and click, hein. Là tu fais bouger le perso et tout. Sosa. Et sa copine. Déplacement de merde. Nico, on n'aura même pas le temps d'aller jusqu'au mont de charge. Il faut qu'on se cache. Que fait-il ici? Comment a-t-il contourné les gardes? Ces hommes sont faibles. Ils n'ont aucune idée de ce qui est en jeu. Déployons-nous. Continuons à chercher. Allez, gros dragon là, il se binde. Petra, les voilà. Tuez-les. Détourne vers vous les attaques dirigées vite vers vite, George, par ici. Soigne les effets en frappe de l'enfer. Non, bah attends, mais. Attends que j'atteins cet instant. Calmons-nous. On peut discuter. Trop tard. Non! Faut m'expliquer quand. Quand tu vas vers le bas, il va vers le haut. C'est quoi le bug de ce putain de jeu, quoi? Ils ont l'air d'être terrifiés. Ah, c'est fait. Ah ouais. L'autre est tout seul. Vite, George. Quelqu'un arrive par le mont de charge. Oh non. Sosa. Ah, tu peux et pas passer. Copine est avec lui. Nico, on n'aura même pas le temps d'aller jusqu'au mont de charge. Il faut qu'on se cache. Que fait-il ici? Comment a-t-il contourné les gardes? Ces hommes sont faibles. Ils n'ont aucune idée de ce qui est en jeu. Déployons-nous. Continuons à chercher. Petra, les voilà. Tuez-les. Vite, George, par ici. Non, mais j'avais mis la lampe, près du bureau, moi, en fait, hein. Quand tu parlais de lumière, là, c'est encore plus. Ça peut être
putain, la non. Passez rapide, vers les cervelets. Je vous retrouverai. Change. Je vais tenir les portes de l'ascenseur pour l'empêcher de redescendre. Mais tâche de trouver un autre moyen de les bloquer. Il n'avait rien d'autre. On lui avait déjà fait les poches. Sans la bonne carte, il n'y avait aucun moyen d'ouvrir cette porte. Ça ne marcherait pas. Il faut trouver un truc pour bloquer l'ascenseur. Plutôt que d'échanger les rôles avec Nico, il fallait que je trouve un moyen de nous faire sortir tous les deux. Harry ne m'en voudrait pas si j'utilisais son décapsuleur. Ok, Nico, tu peux lâcher. Bien vu, George. Ah ouais. En fait, c'est pas moi qui dois être éclairé, c'est le fond. On se casse d'ici. Reste en arrière, Nico. Ils ont posté des gardes en haut des marches. Génial. Alors, on fait comment? On les attaque et on les assomme? George, sois sérieux. Tu as raison. Il faudrait trouver un moyen de détourner leur attention. Là. Là. Putain, je suis encore bloqué. Si je la mets sur le fond, si je la mets là, ce serait dit. Attention, je fais des tests. Vas-y, fais des tests. Attends, par contre, je vais juste monter le son de Discord. Parce que des fois, je t'entends pas et que ça m'énerve. Deux, que ça marche pas. C'est la merde. Voilà. Mais au top. Voilà, j'ai réglé mon problème. Bah, il m'en faut deux, mais... je retournerai à Ikea en acheter. Ah, c'est quoi? J'éclaire le fond. C'est quoi que t'as acheté? Une petite lampe Ikea à 14 balles que je branche en USB avec des LED. Tu montreras la gueule de la lampe alors. Elle est contre quoi commander l'ouverture de la carte? Je mettais la lampe sur ma gueule, tu vois, ce qui me semblait logique. C'est contre quoi commander l'ouverture de la carte? Mais en fait non, il faut éclairer le fond. Ah. Je dois faire une photo de la lampe maintenant. Oh putain. Salut Lolof, comment vas-tu? Là du coup elle est pas en position normale. Hein. Alors là, certainement pas. Normalement elle est pas censée être vers le haut à ce point. Merde, là du coup ça va dropper, bah oui. Bonjour le love, ça va bien et toi? Ça va, je suis encore rebloqué. On retaque ce donjon de merde. Pas trop mal, ah. Bah écoute, moi ça va. C'est le week-end donc ça va. J'ai bien avancé aujourd'hui, enfin j'ai bien avancé. Je suis resté pas mal bloqué. D'ailleurs, on va faire une pause YouTube, d'ailleurs. On va couper la VOD là. Merci, Jeff, d'avoir participé à cette session YouTube. C'était avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.